Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous recommander quelques astuces comment aider son enfant à vite apprendre l'alphabet. Tout d'abord, n'hésitez jamais à raconter à vos enfants des histoires. Sachez que l'enfant commence à reconnaître des lettres de l'alphabet, à partir de ses 3 ans. Cette attitude se développe dès qu'il atteint l'âge de 4 ans. Et c'est à partir de cet âge qu'il possède la capacité de pouvoir identifier la majorité des lettres. De ce fait, vous pouvez commencer à enseigner votre enfant l'alphabet dès l'âge de 3 ans ou même à l'âge de 2 ans si vous voulez bien sûr. Cela ne représente aucun inconvénient. Vous pouvez aussi utiliser des abécédaires. Que ce soit dans sa chambre, afin de lui aider à vite apprendre les lettres de l'alphabet. Et les abécédaires sont souvent les premiers contacts des enfants avec les lettres. Ce sont les excellents outils qui vont l'aider à commencer à lire avant même de fréquenter l'école. À part les affiches abécédaires, il existe aussi de nombreux modèles qui déclinent en version numérique disponibles sur les téléphones, sur les smartphones. Mais ceci, ça ne nous intéresse pas. L'important, c'est de présenter toutes les lettres de l'alphabet et de les rendre facilement compréhensibles et amusantes pour votre enfant. Dans les abécédaires, les lettres sont listées en ordre de l'alphabet et chaque lettre est normalement illustrée parfois par un mot ou par une image. Dans ce cas, si vous voulez faire découvrir les lettres de leur nom à votre enfant, optez pour un abécédaire qui constitue leur moyen. Vous pouvez aussi utiliser des manières amusantes pour aider votre enfant à vite apprendre l'alphabet. Vous pouvez par exemple écrire son nom partout, par exemple sur le frigo, sur la porte de sa chambre, etc. Tout en lui montrant les lettres une par une. Et avec le temps, il va finir par apercevoir que toutes les lettres constituent son prénom. Vous pouvez aussi lui offrir un puzzle contenant des lettres de l'alphabet. Et dès qu'il commence à distinguer une lettre, jouez avec lui tout en lui enseignant d'autres lettres. Et avant de finir cette vidéo, un petit conseil, notez tout simplement qu'avant l'âge de 4 ans, un enfant ne peut pas maîtriser toutes les lettres, alors inutile d'insister.